5 choses qui sont totalement interdites en leçon de conduite. La première chose peut paraître juste évidente, les claquettes, les tongs, les babouches, les sandales, etc. Toutes les paires de chaussures où le talon n'est pas couvert, c'est strictement interdit. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça peut glisser. Et imagine, t'as le pied sur l'embrayage, ça glisse, bah tu tapes la voiture de devant ou un piéton ou quelque chose. Donc c'est dangereux. Ça joue donc sur la sécurité des passagers à bord du véhicule et ceux autour du véhicule. La deuxième chose interdite, manger ou boire pendant qu'on conduit. Ça paraît juste évident, c'est strictement interdit, même s'il y en a qui essayent quand même. Mais bon, ça c'est votre problème. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir les deux mains prêtes à intervenir en cas d'extrême urgence. Il y a un problème, faut que tu sois prêt à réagir. Troisième chose interdite, mais normalement ça va de soi, si tu n'as pas le droit de boire et de manger, tu n'as pas le droit de fumer aussi. Beaucoup ne le savent pas, il y en a, ils me sortent une puff en leçon de conduite, je vais lui en mettre une pas deux. Oui, il fait tourner, choisis. Quatrième chose interdite pendant les leçons de conduite, klaxonner pour dire bonjour à un pote, à son daron, j'en sais rien, tu vois. On a le droit de klaxonner uniquement en cas d'extrême urgence, les gars, en cas de danger immédiat. Le pire, c'est que j'ai des élèves, ils sont là, bip bip. Jeff, frérot, plus jamais tu klaxonnes. Cinquième chose interdite en leçon de conduite, répondre à SMS, répondre au téléphone, prendre son téléphone, même arrêter à un feu rouge ou à un stop. On ne touche pas le téléphone. Ça peut paraître évident, mais tous les jours, j'ai quelqu'un qui essaie de prendre son téléphone. Donc, non.